Bonjour à tous, bienvenue sur les tutos de mars 2024 pour le Leica Q3. Tout d'abord, je reviens sur le fait qu'il n'est pas possible d'utiliser de déclencheur souple sur le Leica Q3. J'avais eu un message en me disant qu'un vendeur de Leica Store démentait cela. J'ai eu cette boutique en ligne, ils n'avaient pas l'air au courant et ont testé. Ils m'ont confirmé que ce n'est pas possible. Donc le pas de vis sur le déclencheur ne sert bien qu'à mettre un bouton de déclenchement, ce que j'avais précisé dans mes dernières vidéos. Bouton de déclenchement ici, comme on le voit sur mon Leica Q3. Alors, j'ai eu quelques demandes sur ma masterclass sur l'utilisation d'un back button focus sur le Leica Q3. En fait, je n'en ai pas parlé parce que ce n'est pas possible sur le Leica Q3. Mais qu'est-ce que c'est Certains d'entre vous ne souhaitent pas que le bouton de déclenchement serve également à faire l'autofocus. J'appuie, je fais l'autofocus et je déclenche. Ils préfèrent que l'autofocus soit piloté par un bouton à part et que le bouton de déclenchement ne serve qu'au déclenchement, sans faire l'autofocus. C'est souvent une fonction qui est destinée à un bouton proche du pouce, ce serait le bouton FN1 ou FN2. Mais ce n'est pas possible. C'est excessivement utilisé sur certains réflexes. Vraiment, il y a des gens qui sont des aficionados de ça. Voilà. Ce n'est pas mon cas. J'ai eu également des questions sur DxO Puro 4. Non, ce logiciel ne fonctionne pas sur les fichiers RAW des appareils monochrome, donc des Q2 monochrome. Je suis en lien avec DxO et j'attends des explications techniques que je vous donnerai euh, naturellement en vidéo la prochaine fois si je les ai ou sur le site dédié à la photographie monochrome. En revanche, le logiciel m'a permis de constater que cette optique correspond grosso modo à un 25 mm quand elle n'est pas corrigée. Cela confirme donc toutes nos interrogations. J'ai prévu un test de qualité. Cela sera pour ma revue d'avril. Vous êtes plusieurs à m'écrire à propos d'un Leica Q3 monochrome. Je ne sais vraiment pas s'il y en aura un et quand il sera annoncé. Si Leica le produit et reste constant dans ses habitudes, cela ne sera pas avant, je pense, 2025. Mais malheureusement, je n'en sais rien, comme je ne sais pas s'ils sortiront un Leica Q2 économique sur les bases du Q2. Je reçois aussi des messages à ce sujet. Alors, le problème du Leica Q3 qui se fige, oui, je l'ai toujours, mes élèves également, et le dernier firmware n'a rien changé. Je dois régulièrement retirer la batterie car l'appareil ne s'éteint pas. Nous sommes plusieurs à avoir ce souci sur nos appareils. Donc, autre information importante, le look éternal vient d'apparaître en téléchargement dans Leica Photo pour les Leica Q3 et SL3. Voici ce que donne ce rendu très poussé en saturation et avec une petite dérive magenta. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Je vous prépare une vidéo complète sur le portrait au Leica Q3. En studio et à l'extérieur. Voilà, il en est fini de ces quelques news du Leica Q3. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura apporté des réponses à vos questions. À très vite. Et puis sortez, sortez, sortez. Faites des photos. À bientôt.